Freud était un génie, ça ne fait aucun doute. C'est quand même un homme qui vous dit, au début du XXe siècle, dans un monde que se partagent des empires assoiffés de pouvoir, où des millions de gens s'éreintent dans des usines sans âme en attendant la Première Guerre mondiale, « Attendez, moi, je sais ce qui ne va pas. En fait, c'est parce qu'on veut tous coucher avec notre mère. » Freud n'avait pas tort lorsqu'il affirmait que nos comportements étaient en grande partie conditionnés par notre sexualité. L'autre jour, par exemple, j'étais dans un pub où tous les membres d'une équipe de rugby s'étaient retrouvés pour faire la fête. Debout sur les tables, ils chantaient une petite chanson qui aurait fasciné Sigmund Freud. Ils passaient en revue toutes les lettres de l'alphabet en trouvant pour chacune un terme à connotation sexuelle. Ce qui donnait à peu près ceci. A comme anus, B comme bite. Quand ils ne trouvaient rien pour une lettre, ils contournaient le problème. J comme jus de couille, X comme xylophone, tu l'as dans le cul. Un homme, un médecin viennois, a passé sa vie à essayer d'expliquer ces étranges troubles du comportement. Quand on pense à Freud aujourd'hui, on pense généralement à ces praticiens qui demandent des sommes astronomiques à des gens riches pour examiner avec eux les problèmes qui leur pourrissent la vie, comme la mort de leur poisson rouge. Des gens dont se passent généralement ceux qui ont vraiment des ennuis. Vous imaginez un psychanalyste recevant un paysan irakien dans son cabinet. Quand on vous a obligé à construire un palais pour Saddam Hussein, qu'une famine a frappé la région et qu'un missile a traversé votre living, avez-vous ressenti une certaine colère? Le grand mérite de Freud a été de montrer que l'esprit fonctionnait selon des règles, ce qui paraît tomber sous le sens aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Dieu avait déjà perdu son monopole sur les planètes avec Copernic, sur les animaux avec Darwin. Avec Freud, c'était au tour des esprits de lui échapper. Freud considérait que tous les êtres humains étaient gouvernés par leur sexualité, une idée scandaleuse dans une société qui évacuait systématiquement tout ce qui pouvait avoir une connotation sexuelle, au point de vouloir couvrir les pieds des tables jugées obscènes, voire pornographiques, par les plus observateurs. Donc non seulement Freud allait à contre-courant des idées reçues de son époque, mais il était même en avance de plusieurs générations. Un manuel d'éducation sexuelle de 1962 nous dit « Faire l'amour pour la femme, c'est un peu comme contempler un beau coucher de soleil ». Donc si votre partenaire vous susurre à l'oreille « J'ai presque vu la rade de Brest », c'est un compliment. Freud est né en 1856 en Moravie, dans la ville de Freiberg, où on trouve des fleurs qui ressemblent à celles-ci. Le petit Sigmund a 4 ans quand sa famille vient s'installer ici, à Vienne. La capitale autrichienne vient d'adopter de nouvelles lois qui permettent aux Juifs d'être propriétaires et d'exercer les professions de médecin ou d'avocat. À l'âge de 8 ans, Sigmund lit couramment l'hébreu, le latin, le grec, le français et l'anglais. Quand il était petit, il mangeait seul dans sa chambre pour ne pas avoir à interrompre ses études au moment des repas. Chouchou de la famille, il se plaint un jour que les exercices de piano de sa sœur l'empêchent de travailler. Ses parents se débarrassent aussitôt de l'instrument. Ça devait être épouvantable d'avoir un frère pareil. Je suis sûr que quand sa sœur a voulu se venger en lui tordant le bras, ce sale morpion a crié « Maman, Éléonore, elle m'embête parce qu'elle est jalouse de mon zizi !» Il devient médecin spécialisé en neurologie à une époque où les malades mentaux sont totalement rejetés par la société. Pour l'humaniste anglais du 19e siècle, Samuel Tuke, parler aux malades mentaux est une perte de temps. Il n'y a manifestement aucun intérêt à chercher à les raisonner lorsqu'ils hallucinent. Son diplôme de médecin en poche, Freud se rend à Paris pour suivre l'enseignement de Jean-Martin Charcot, qui a recours à l'hypnose pour montrer qu'un traumatisme affectif peut infliger une véritable souffrance physique. Pour Freud, les travaux de Charcot ont rendu sa dignité au patient. Le mépris affiché à l'égard de l'hystérique a progressivement disparu. L'œuvre de Sigmund Freud s'inscrit donc dans un courant de pensée progressiste. Dans sa vie quotidienne, le grand homme se conforme toutefois aux mœurs de son époque. Il refuse de laisser sa fiancée Martha se rendre à la patinoire, de peur qu'elle ne soit obligée de s'appuyer sur le bras de quelqu'un d'autre. Leurs fiançailles dureront d'ailleurs 5 ans, au cours desquelles il va lui écrire quelques 900 lettres, s'excusant notamment dans l'une d'elles d'avoir été trop direct dans son courrier précédent et d'avoir fait une allusion impudique à ses pieds. Si c'est son seul dérapage en 900 lettres d'amour, on se demande ce qu'il a pu dire dans les autres. Martha m'a bien aimé. Le printemps est arrivé et avec lui la facture trimestrielle du gaz que je joins à la présente. Affectueusement, Sigmund.
Mais tout va changer le jour où le jeune docteur découvre la cocaïne, un produit miracle qui, dit-il, guérit la plupart des maladies. Il en administre notamment à son ami Ernst Fleisch von Marco, amputé d'un pouce, qui souffre en permanence et a développé une accoutumance à la morphine. Il en prescrit ensuite à tout le monde, y compris pour les maux d'estomac, et même à sa chère Martha. Cela te donnera des forces et te rendra bonne mine. Lui-même se met aussi à en prendre. Le ton de ses lettres à Martha change. Malheur à toi, ma princesse. Quand j'arriverai, je t'embrasserai avec fougue et je te nourrirai pour te rendre grassouillette. Laisse-toi aller et nous verrons qui est le plus fort, d'une gentille petite fille qui ne mange pas assez ou d'un grand sauvage d'homme bourré de cocaïne. Il écrit un essai sur la cocaïne, affirmant qu'elle n'entraîne aucune dépendance et n'induit aucun état de manque. Il reconnaît toutefois, la cocaïne semble libérer en moi la parole. Bon d'accord, à tout à l'heure. Sigmund finit quand même par se rendre compte qu'il est complètement accro. Et son ami Fleisch von Marco, non seulement est toujours morphinomane, mais il est maintenant aussi cocaïnomane. Mais dans son malheur, il a eu de la chance, Freud aurait pu lui dire « Je sais ce qu'il te faut, du crack ». À peu près à la même époque, Freud se passionne pour le cas de Anna O, Bertha Pappenheim de son véritable nom, une patiente de son ami Joseph Breuer. Celle-ci souffre d'hallucinations. Elle s'imagine que ses bras se transforment en serpent et voit un crâne à la place de la tête de son médecin. Breuer se rend rapidement compte que le simple fait de discuter avec sa patiente améliore son état. Par exemple, Bertha est incapable de boire de l'eau, jusqu'au jour où, en parlant avec Breuer, elle se rappelle avoir ressenti un sentiment de répulsion des années auparavant en voyant une amie faire boire son chien dans son propre verre. Ce qui explique peut-être l'une de mes propres phobies. Quand j'étais petit, le chien d'un de mes amis a dû chier sur Thierry Ardisson. Deux événements majeurs vont marquer la 30e année d'existence de Sigmund Freud. Son mariage avec Martha tout d'abord, puis une conférence sur l'hystérie qu'il donne devant la Société des médecins de Vienne. Il explique que l'appareil psychique est constitué de plusieurs parties, une partie consciente et une autre inconsciente, et que celles-ci peuvent entrer en conflit. Une idée iconoclaste, puisqu'elle implique que l'esprit fonctionne selon ses propres lois et peut donc se mettre à débloquer tout seul sans l'aide d'un événement extérieur du type coup sur la tête. Freud affirme que notre inconscient est hanté par toutes sortes d'images qui, si elles correspondent à des traumatismes du passé, peuvent empêcher le conscient de fonctionner correctement. Pour lui, ce genre de problème se soigne par la parole. Si on laisse parler le patient, dit-il, il finit par remonter à la source du problème. Pour son auditoire, cette théorie est d'autant plus inacceptable qu'elle laisse entendre que les hommes peuvent aussi avoir des problèmes mentaux. Le temps qui nous était imparti s'achève. Ici le docteur Sigmund Freud. Bonsoir Vienne et bonne santé mentale à tous et à toutes. Une fois engagé dans cette voie, il se rend vite compte que le subconscient est surtout troublé par des problèmes d'ordre sexuel. Il est en cela influencé par un autre de ses amis gynécologues, pour qui le seul remède efficace contre la nervosité chez la femme, c'est... un pénis de taille normale, plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que c'est que ce médecin ? C'est un début d'otite. Écoutez, je vais vous prescrire 3 pénétrations arrière par jour, juste après les repas, et puis si ça ne va pas mieux d'ici une quinzaine de jours, on essaiera quelque chose de plus fort. En dépit de ces interprétations quelque peu fantaisistes, Freud est à l'origine d'une façon totalement nouvelle de considérer l'intellect de l'homme. En gros, le cerveau semble fonctionner un peu comme un ordinateur. Vous avez d'abord le conscient, qui apparaît à l'écran et auquel on accède sans problème. Puis, le préconscient. C'est ce que vous avez sur le bout de la langue. Vous savez que c'est là, mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Et finalement, vous avez l'inconscient, qui est enfoui au plus profond du système. Vous ne savez peut-être même pas que c'est là. Et pour le récupérer, il vous faut l'aide d'un spécialiste, un de ces types du service informatique qui vous donne l'impression d'appartenir à une race inférieure. Même si l'inconscient est profondément enfoui au cœur du disque dur, des bribes peuvent parfois remonter à la surface et modifier le conscient, comme quand on fait une fausse manip sur un ordinateur et que tout le système se plante. Freud se demande si les manifestations névrotiques dont nous souffrons ne sont pas causées par des souvenirs refoulés dans l'inconscient. Il a quand même des doutes quand il constate des signes de névrose chez un nombre croissant de ses patients, qui ne peuvent quand même pas tous avoir été victimes de sévices. Ses propres frères présentent des symptômes de névrose. Donc, si la théorie de Freud est exacte, eux aussi ont fait l'objet d'abus sexuels. Pour compliquer un peu une situation déjà confuse, Sigmund commence lui-même à péter les plombs. Il a un nouveau numéro de téléphone, Vienne 14362.
Or, il est persuadé que les deux derniers numéros indiquent qu'il va mourir à 62 ans. Il refuse de descendre dans un hôtel de plus de 61 chambres pour ne pas risquer d'avoir le numéro 62. Mais un soir, il se retrouve au numéro 31. Ce qui, à ses yeux, n'est guère mieux. Lorsqu'il termine la rédaction de son ouvrage « L'interprétation des rêves », il écrit à son ami Willem Fleece « Toute tentative d'améliorer ce texte ne peut que lui donner un ton artificiel. Il contient donc 2467 erreurs. » Avant Freud, les gens pensaient généralement que les rêves étaient soit des messages divins, comme lorsque Joseph annonce à Pharaon 7 années de famine, soit une espèce de délire sans la moindre signification. Certains philosophes se sont efforcés de trouver un sens aux songes, suggérant par exemple que le rêve permettait à l'esprit de libérer de l'espace en se débarrassant d'informations inutiles. Mais la théorie de l'inconscient de Freud allait ouvrir des voies nouvelles dans ce domaine. Pour Sigmund, en effet, l'inconscient contient une foule de désirs et d'instincts divers, et pendant le sommeil, les mécanismes censés les réprimer ont tendance à se relâcher, ce qui leur permet de s'échapper, en s'exprimant sous forme de rêve. Ce qui est un petit peu troublant, c'est que les mécanismes de répression continuent quand même de fonctionner plus ou moins, empêchant nos désirs profonds de s'exprimer autrement qu'à travers des images triviales glanées dans notre quotidien. Mais... rien dans un rêve, nous dit Freud, n'est trivial. Chaque détail est là pour une raison. Et s'il peut paraître trivial, il représente un désir profond, qui généralement, cela vous surprendra peut-être, est d'ordre sexuel. Selon lui, le phallus dans un rêve peut prendre la forme d'une canne, d'un couteau, d'un parapluie, d'un marteau, d'un chapeau féminin, d'une lime à ongles ou d'une cravate. Une pièce peut représenter une femme, un placard l'utérus, un paysage les organes sexuels, un chauve symbolise la castration et le fait de monter un escalier l'acte sexuel proprement dit. En fait, si l'on en croit Freud, le seul moment où un rêve n'a aucune signification sexuelle, c'est quand on rêve de sexe. Je rêve que je me fais sauter par le prince Albert sur un matelas pneumatique. Je pense que vous exprimez ainsi votre passion pour les biscuits à la cuillère. Freud a le don de proposer des théories a priori géniales. Il explique par exemple que le rêve classique, dans lequel on voudrait s'enfuir mais où on reste paralysé sur place, traduit chez le dormeur un conflit entre deux aspirations. Le problème, comme toujours avec ce cher Sigmund, c'est quand il cherche à tout expliquer à travers le même prisme. J'ai fait un rêve mouvementé dans lequel j'étais sur un bateau. La halte suivante avait pour nom Hirsing et celle d'après Fliss, du nom de mon ami. Hirsing fait immédiatement penser au mot anglais « hearsay », la rumeur, à rapprocher d'un poème que j'ai lu sur un nain qui propageait des rumeurs. Si je prends la dernière syllabe du mot « hearsing » et que je la mets à la fin de « fliss », cela donne « flissing », un mot qui rappelle le nom du port où arrive mon frère lorsqu'il vient nous voir. Car le nom anglais de ce port n'est autre que « flushing », qui rime avec « blushing », « rougir ». J'en déduis donc que mon rêve a pour sujet une de mes patientes qui souffre d'angoisse qui la font rougir. Les disciples de Freud adorent décoder les rêves. Un certain Theodor Reich, par exemple, parle d'un patient anglais dont les rêves sont hantés par la phrase « I'm afraid of the dog », j'ai peur du chien. Selon Reich, il faut en fait comprendre « I'm afraid of God », j'ai peur de Dieu, si en plus l'inconscient s'amuse à faire des anagrammes. Épine, au pluriel, ayant perdu un « e ». Un beau cadeau pour la fête des mères. Il faut bien admettre que l'inconscient a une production étonnamment abondante. Chaque nuit, il vous propose des heures de programmation. Il n'est pas étonnant dans ces conditions qu'il y ait de temps en temps des rediffusions. Personnellement, j'ai régulièrement droit à une séquence où je me retrouve à l'école primaire. L'horreur. Pour Freud, chaque rêve représente la réalisation d'un désir. Le rêve d'angoisse n'existe pas, l'angoisse étant elle-même une manifestation de la libido. Ainsi, même si la veille de votre examen de permis de conduire, vous rêvez que vous vous plantez, Freud dirait... Levier de vitesse, réservoir, BSM, British School of Motoring. Mon cul, baiser sa mère, c'est évident. Freud considère également que l'inconscient a d'autres façons de se manifester, notamment par des lapsus. Imaginons par exemple que vous vous promeniez ici, près des studios de la télévision britannique, et que vous tombiez par hasard sur le présentateur Chris Moyles. Et me voilà. Vous allez probablement vouloir lui dire « Salut Chris, ça se passe bien ton émission ?» Mais ce qui risque de sortir, c'est... Il n'y a pas idée de polluer les écrans avec des gros nuls pareils.
Vous aurez alors fait sans le savoir ce qu'on appelle un lapsus freudien. La somme de ces découvertes constitue une révolution phénoménale. Dès 1900, Freud affirme que nous sommes tous sous l'emprise de notre sexualité. Même chez l'enfant, dit-il, les comportements sont déterminés par des pulsions sexuelles. Pour lui, nous passons tous par différents stades. Le stade oral, caractérisé par le désir de téter le sein de notre mère. Le stade anal, où l'on apprend à contrôler nos sphincters. Et le stade phallique. Freud estime que tout blocage au stade anal peut engendrer par la suite des comportements obsessionnels. Certains psychanalystes considèrent par exemple que le fait de classer ses disques par ordre alphabétique est un signe de fixation anale. À mon avis, tout dépend du nombre de disques que vous possédez. Si vous en avez deux et que vous passez votre temps à vérifier qu'ils sont bien classés par ordre alphabétique, il y a sûrement un problème. Moi, j'en ai 2000 et je pensais qu'en les rangeant par ordre alphabétique, ce serait plus facile pour trouver tel ou tel album. Mais apparemment, ça veut dire que j'ai un problème au niveau du trou de balle. La suite de la théorie de Freud risque fort de choquer certaines sensibilités dans une société moderne qui n'ose même pas imaginer que l'enfant puisse avoir une sexualité. Or, si l'on en croit Sigmund, dès l'âge de 3 ans, l'enfant éprouve une véritable fascination pour ses organes sexuels et éprouve du plaisir à les toucher. Les petits garçons se rendent compte un peu plus tard, en voyant leur mère ou une petite fille nue, que certaines personnes n'ont pas de pénis, ce qui les trouble profondément. Je suppose que c'est un peu comme le reste. Quand on est petit, on est persuadé que tout le monde a la même chose que nous, et quand on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, ça nous dérange un peu. Comme le jour où mon petit garçon est allé dormir chez un copain et qu'il n'avait pas de chaîne de dessin animé. Freud nous apprend que ce stade phallique dure à peu près jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Ensuite, on est tranquille pendant quelques années, jusqu'à la puberté, qui voit ressurgir tous nos désirs puissance 10. Personnellement, je me souviens avoir été successivement et éperdument amoureux de Debbie Harry, Anna Ford, Chris Evert, Polystyrène, du groupe X-Ray Specs, Sherry Jackson, élève de seconde, une blonde inconnue, Suzy de Coronation Street, Linda Crump, qui vivait dans une caravane, et Björn Borg de dos. Les recherches de Freud sur l'inconscient l'amènent à modifier son analyse des causes des névroses. Finalement, si la névrose nous menace tous, ce n'est pas parce que nous avons été victimes de sévices sexuels dans notre petite enfance, mais simplement parce que tout homme porte en lui le désir de tuer son père et de coucher avec sa mère. Et je l'imagine bien le jour où il est arrivé à cette conclusion. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? C'est ce que Freud appelle le complexe d'Œdipe, du nom d'un personnage de la mythologie grecque qui tue son père et épouse sa mère. Une solution qui est difficilement applicable dans la réalité. Et même si votre mère était d'accord, ce serait seulement à condition que vous rangiez votre chambre, ce qui casse l'ambiance. Pour Freud, l'homosexualité résulte d'un blocage de l'individu, resté scotché à l'un des stades primaires de l'enfance. Il s'agit donc pour lui d'une déviance par rapport à l'évolution naturelle de l'individu. Mais en affirmant qu'elle est le produit de mécanismes psychiques, il affirme aussi qu'il est inutile d'essayer de l'interdire ou de la combattre. En explorant l'inconscient, Freud a mis en évidence un principe fondamental de la société humaine. La sexualité peut être réprimée ou refoulée, mais elle ne disparaît pas pour autant. Une société a beau fustiger la sexualité des adolescents, l'homosexualité ou le sexe en général, elle n'empêchera jamais ces pulsions d'exister dans l'inconscient des gens, pour ressurgir à l'improviste, sous les formes les plus tordues. Mes parents, par exemple, ont grandi dans les années 1930, dans un milieu assez prude. Résultat, mon père avait un tournevis dont le manche était orné d'un dessin représentant une femme en maillot de bain. Ce maillot de bain était en fait constitué d'encre liquide, ce qui fait que lorsqu'on renversait le tournevis, il disparaissait et mon père éclatait de rire. Ah, super ! Quand ses amis venaient à la maison, il leur montrait son tournevis, tout fier, et tout le monde s'esclaffait. Vous avez vu ? Donc, grâce à la belle éducation puritaine qu'il avait reçue, avec la Bible pour tout manuel d'éducation sexuelle, mon père parvenait à prendre son pied en regardant le manche d'un simple outil. Et je suppose que dès que j'étais couché, il filait dans son atelier reluquer son marteau. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir. En 1907, Freud crée la Société psychologique du mercredi, qui regroupe ses premiers disciples et se réunit le mercredi. Sigmund est adulé par ses fans. Un soir, il parle pendant 3 heures d'un de ses patients surnommé l'homme au rat, qui est persuadé que la femme qu'il aime va être dévorée par les rats. Merci beaucoup. Son auditoire applaudit, le rappelle, et il revient sur scène pour 2 heures de plus. Mieux que les Rolling Stones. À chaque fois qu'il veut placer un nouveau titre, le public lui redemande le même standard, l'homme au rat. J'imagine le premier rang en pleine extase, mimant l'analyste bloc en main.
Ses théories sur la sexualité choquent nombre de ses confrères, et notamment son vieil ami Breuer, avec qui il ne tarde pas à rompre. Il se sépare de plusieurs autres de ses compagnons de route. Wilhelm Stöckel est exclu du club après une dispute avec Freud sur la masturbation. Edward Hitchman, lui aussi tombé en disgrâce, écrit « Après une séance de psychanalyse avec une jolie patiente, j'ai remarqué que Freud avait une érection bien visible sous son pantalon. » Dur, 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 le coup du psychanalyste pris en flagrant délit d'érection par un confrère. Sigmund Freud a cependant une estime toute particulière pour l'un des membres de sa petite société, un certain Carl Jung. Celui-ci a écrit à plusieurs reprises au maître, qui a été tellement impressionné par ses lettres qu'il lui a proposé de le rencontrer à Vienne. Jung explique à Freud que son service militaire dans l'armée suisse lui a beaucoup appris. Affecté dans les services de santé, il a eu l'occasion de voir de près quelques 500 organes sexuels masculins. Les deux analystes sympathisent et deviennent vite très bons amis, comme le montre cette lettre écrite par Jung en 1908. J'ai fait agrandir votre photo. C'est merveilleux. La vénération que j'ai pour vous a quelque chose de l'engouement religieux. Elle est écœurante et ridicule en raison de son indéniable caractère érotique sous-jacent. Les méthodes de Jung diffèrent cependant parfois de celles de Freud. Il organise par exemple des thés dansants, où les médecins valsent avec leurs patients. Puis il se met à coucher avec certaines de ses clientes, ce qui déplaît fortement à Freud. Celui-ci lui fait d'ailleurs part de sa réprobation. Vos conclusions concernant cette patiente sont certes intéressantes, mais je ne comprends pas comment vous pouvez passer autant de temps avec une femme aussi laide. En fait, Freud s'aperçoit que son petit protégé couche avec ses patientes névrosées. Et il est surtout déçu par son manque de discernement. Franchement, mon petit Jung, tu vaux mieux que ça. Tu pourrais au moins attendre que Maria Carey vienne te voir. Le divorce est bientôt total entre les deux hommes. Sans remettre en question l'existence de l'inconscient, Jung estime désormais que les pulsions sexuelles sont loin d'être les seules forces à l'œuvre dans le psychisme humain. Il croit également en l'existence d'une sorte d'inconscient collectif, commun à toute l'humanité, un Internet avant la lettre, dans lequel chacun peut aller puiser à condition d'avoir le bon moteur de recherche. Dès lors, la psychanalyse se divise en différentes écoles, tandis que l'affrontement entre les deux hommes prend un tour très personnel. Freud souffrait de troubles psychosomatiques et devait uriner toutes les demi-heures. Merveilleux. Les deux grands fondateurs de la psychanalyse s'affrontent. Et tout ce qu'ils trouvent comme argument, ce sont des trucs du genre « il a fait pipi dans son slip ». Riposte immédiate de Freud. Un homme de bien ne saurait avoir un subconscient comme le sien. Ce qui, de sa part, est une terrible insulte. Il lui dit en gros que, contrairement à la plupart des gens qui veulent seulement coucher avec leur mère, lui, Jung, n'a en tête que des cochonneries. Tout cela devrait être très déprimant pour ce pauvre Freud, qui approchait doucement du seuil fatidique des 62 ans, âge auquel il était persuadé qu'il allait mourir. Il ne conservait plus qu'une poignée de disciples et s'était fâché avec tous ses confrères l'un après l'autre. Il lui restait heureusement le fidèle Ferenczi, qui affirmait pouvoir entrer en contact avec lui grâce aux vibrations de l'océan. Il y avait aussi Wilhelm Reich, inventeur d'un capteur d'orgone, énergie cosmique primordiale libérée par l'orgasme, capable de modifier le temps et de soigner le rhume de cerveau. Mais l'appareil ne marchait pas et son créateur fut mis en prison. La Première Guerre mondiale éclate sur ces entrefaites. Toutes les théories de Freud reposent finalement sur l'idée que l'homme diffère des animaux en ce qu'il est capable de réprimer ses pulsions naturelles. Mais la civilisation occidentale semble manifestement déterminée à s'autodétruire dans un vaste bain de sang et de boue. Paradoxalement, cette boucherie va permettre à Freud de faire parler de lui. Dans les deux camps, des dizaines de milliers de soldats rentrent du front dans un état de démence caractérisé. Un certain docteur Lewis Yelland de Londres propose de soigner les victimes des tranchées en leur administrant des décharges électriques. Il va bientôt avoir l'occasion de tester sa méthode sur un soldat de 24 ans rapatrié de France. Le jeune homme a perdu l'usage de la parole. Le bon docteur lui administre pour commencer des décharges dans le cou et la gorge, puis lui place des plaques brûlantes dans la bouche avant de lui écraser des cigarettes allumées sur la langue. Après quoi, il note. Le soldat semble quelque peu déprimé. Un autre médecin, William Brown, finit quand même par comprendre que ces soldats ont subi un terrible traumatisme, dont les détails sont enfouis dans leur inconscient, pour remonter à la surface dans leurs rêves, conformément à la théorie de Freud. Ils constatent aussi que leur état s'améliore lorsqu'ils parviennent à évacuer leur traumatisme en parlant et en se soumettant à l'analyse freudienne. Baptisée « choc des tranchées », la névrose dont souffrent les malheureux semble confirmer les tests de Freud sur l'inconscient, ce qui lui fait dire en septembre 1918 « Je baigne dans le bonheur. J'ai le cœur léger à l'idée que mon enfant a problème, l'œuvre de ma vie, est désormais protégée et préservée pour l'avenir. » Super! La guerre a fait 15 millions de morts, mais elle a mis du baume au cœur à ce cher Sigmund, qui en avait bien besoin puisqu'il savait qu'il allait mourir à l'âge de 62 ans. Curieusement, à 63 ans, il est toujours là.
À 67 ans, on finit quand même par lui diagnostiquer un cancer de la mâchoire. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à fumer ses 20 cigares par jour. Et quand la douleur est si forte qu'il ne peut plus ouvrir la bouche, il s'aide d'une pince à linge pour pouvoir continuer de fumer. En avril 1923, il publie « Le moi et le ça », un essai dans lequel il explique que le psychique n'est pas seulement divisé en conscient et inconscient, mais qu'il est en outre agité par des forces qui s'affrontent. Le ça, par exemple, qui exige la satisfaction de nos envies naturelles, je veux manger, je veux une bière, je veux cette femme, je veux cogner ce mec, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Il y a ensuite le moi, qui exige également satisfaction, mais qui tente de l'obtenir en tenant compte du monde extérieur. Le moi cherche à canaliser les exigences du ça pour les maintenir dans le domaine du réalisable. C'est comme si le moi disait au ça, on veut tous des tas de trucs, mais il faut la jouer plus fin. Il faut toujours que tu te mettes dans des situations pas possibles. Pour compléter le tableau, Freud nous apprend que nous avons également un surmoi qui prend en compte les concepts et qui juge de la conduite à tenir. Concrètement, le surmoi gère la dimension morale de la personne et fait que la loi n'est pas le facteur déterminant de nos comportements. Ainsi, si demain on légalisait l'homicide, les gens ne se mettraient pas aussitôt à s'entretuer sous prétexte que c'est légal. Le ça, le moi et le surmoi doivent s'équilibrer, sinon gare à la névrose. Par exemple, vous retrouvez un vieux pote. C'était le rigolo de la bande. Mais il a changé et vous annonce « On a trouvé une location en Bretagne pour cet été. » Puis il vous fait visiter sa maison où le mobilier est rangé par ordre alphabétique, pour savoir exactement où sont les choses. C'est le surmoi qui a pris le dessus. Freud continuera à défendre ses thèses jusqu'au bout. Il a 82 ans lorsque les nazis envahissent l'Autriche. Pendant quelque temps, il va s'efforcer d'ignorer leur présence, mais il n'est pas de taille à lutter contre le Troisième Reich. Et grâce à des amis bien placés, il parvient à fuir pour se réfugier dans le nord de Londres, où il est quand même un peu plus en sécurité. Freud passera la dernière année de sa vie dans cette maison du quartier de Hampstead. Il meurt à près de 83 ans après avoir totalement transformé la perception que l'homme a de lui-même. Freud fait aujourd'hui partie de notre univers, que ce soit dans la pub, l'art ou l'architecture. Sans lui, nous serions totalement désarmés face à nos névroses. Les pouvoirs publics regrouperaient tous les maniaques de la propreté au sein d'un service de nettoyage chargé de l'entretien des pavillons de banlieue. Et la seule aide que les médecins pourraient apporter aux anorexiques serait de leur dire « Essayez la moussaka findus, c'est un régal !» Freud nous a fait découvrir un univers de l'esprit que nous ne soupçonnions pas, même s'il n'était pas toujours lui-même très clair. En réalité, comme cela arrive souvent avec les grands génies, les théories de Freud, sous leur apparence compliquée, sont d'une remarquable simplicité. Freud avait raison. Le système psychique de l'homme fonctionne selon ses propres règles, et aucune force extérieure ne nous dit que tel ou tel comportement est immoral ou pervers. Son œuvre nous apprend une chose fondamentale. Pour avoir quelque chance de rester sain d'esprit, mieux vaut être conscient de l'importance primordiale du mental dans notre vie. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.